हरि ओम शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्वरियमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् Talking about sleep. Nous parlons du sommeil. And death. Et de la mort. And every type of example of disappearance of mind. Et tous les exemples de disparition de l'esprit. And here he says, remember me while going into sleep. Et ici, il dit, souvenez-vous de moi quand vous vous endormez. It is as a student of yoga. Donc, comme un étudiant du yoga, one is expected to meditate upon the omnipresence of the All Lord. On attend de lui qu'il médite sur l'omniprésence du Seigneur. With the name I am in you. Avec le mot I am en vous. And while meditating upon the presence of the I am, et pendant que vous méditez sur la présence du je suis, you are expected to sleep. On attend de vous que vous dormiez. Then what happens is the mind with the senses goes to sleep. Alors ce qui se passe, c'est que le mental et les sens s'endorment. That is the negative I am or the false I am. Soit le I am négatif ou le faux je suis. Whereas the positive I am, alors que le je suis positif, who is the true I am or the Lord, qui est le vrai je suis ou le Seigneur, will be in a always in all wakeful state, sera tout à fait éveillé, dans un état tout à fait éveillé. And if you practice this every day, et si vous pratiquez cela tous les jours, you will be with the real I am. Vous serez avec le vrai je suis. And the false I am will sleep into the real I am daily. Et le faux je suis dormira dans le vrai je suis tous les jours. And again he comes out from the real I am after sleep. Et il ressortira du vrai je suis après le sommeil. That is how the whole creation comes and goes. C'est comme ça que toute la création va et vient. From the omnipresent Lord, who is the real I am. Du Seigneur omniprésent qui est le vrai je suis. All the creation comes out as objectivity.
toute la création vient comme objectivité. Or the false I am. Ou le faux je suis. And exists in its wakeful state. Et existe comme un état d'éveil. Which we call objectivity. Que nous appelons objectivité. And again, after the duration of one creation is over. Et quand la durée d'une création est terminée, it goes back into the real I am. Il retourne dans le vrai je suis. And disappears. Et disparaît. So, subjective consciousness is the real I am. Donc la conscience subjective est le vrai je suis. From whom the objective consciousness comes out. Duquel vient la conscience objective. And works as the wakeful state. Et travaille comme l'état éveillé. And then disappears again into the subjective consciousness. Et puis disparaît de nouveau dans la conscience subjective. This is the same with the individual and also the whole creation. C'est la même chose avec l'individu et toute la création. With the individual, it happens as the individual sleep and awakening. Avec l'individu, ça se passe lorsque il s'endort ou lorsqu'il s'éveille. Whereas with the whole creation, tandis qu'avec toute la création, it happens with the awakening and the sleep of the whole creation. Ça se passe lorsque toute la création s'endort ou se réveille. So, try to understand this by meditating upon this. Essayez de comprendre cela en méditant là-dessus. And applying the law of correspondences. Et appliquer les lois des correspondances. For the sake of understanding such things. Pour mieux comprendre de telles choses, you have everything in you. Vous avez tout en vous. Just like the wakeful state and the sleep. Comme l'état d'éveil et le sommeil. As a correspondence of everything that happens in the creation. Comme une correspondance de tout ce qui se passe dans la création. By meditating upon the states which you are having. En méditant sur l'état que vous avez, you will be able to understand the states that are happening in the whole creation and cosmos. Vous pourrez comprendre les états qui se passent pour tout le cosmos et la création. This is the way how to apply the law of correspondences. C'est là la façon d'appliquer les lois de la correspondance. We hear the words, the law of correspondences, many times in the spiritual books. Nous avons très souvent lu la loi des correspondances dans les livres spirituels. But generally we do not know how to apply the law of correspondences. Mais en général, on ne sait pas comment les appliquer. Here, the method of application is given. Ici, on donne la méthode d'application. As a key to liberation. Comme une clé vers la libération. Every day, before you go to sleep. Tous les jours, avant de vous endormir. A few minutes before sleep comes and occupies your negative I am. Quelques minutes avant que le sommeil intervienne et occupe votre faux je suis. You are expected to meditate upon your real I am. Vous devez méditer sur votre vrai je suis. Which should be daily practiced. Qui doit être pratiqué chaque jour. According to the rules of Patanjali's yoga. Selon les règles du yoga de Patanjali. And he says here, remember me while going into sleep. Rappelez-vous de moi lorsque vous vous endormez. Then you will exist before and beyond sleep. Alors vous existerez avant et après et au-delà du sommeil. Suppose this is the duration of sleep. Supposez que ça c'est la durée du sommeil. The negative I am exists before and beyond sleep. Le je suis négatif existe avant et au-delà du sommeil. Whereas during sleep it is a gap. Quoique pendant le sommeil c'est un trou. But the positive I am exists before, beyond and during sleep. Mais le je suis positif existe avant et au-delà du sommeil. Imagine a necklace of pearls or some beads. Imaginez un collier de perles.
You see, a string passes through all the beads or necklaces. Une corde passe à travers toutes les perles. And the whole thing is called necklace. Et tout est appelé collier. There are two parts in the necklace. Il y a deux parties dans le collier. One is continuous and the other is non-continuous. L'une est continue et les autres ne le sont pas. Each bead is non-continuous with the necklace. Chaque perle n'est pas continue dans le collier. One bead ends and the other bead begins. L'une s'arrête et l'autre commence. But the string that is passing through all these things. Mais la corde qui passe à travers toutes ces choses is continuous. Est continue. And the necklace exists because of the string and not because of the pearls. Et le collier existe à cause de la corde, mais pas à cause des perles. Remember this idea. Rappelez-vous de cette idée. And compare the string with the positive I am. Comparez la corde où je suis positif. And the beads as the negative I am. Et les perles comme le je suis négatif. That is the mind and the five senses. Soit le mental et ses cinq sens. The lower principles of our existence. Les principes inférieurs de notre existence. Whenever we go to sleep. Chaque fois que nous nous endormons. There will be the disappearance of the negative I am. Il y aura la disparition du je suis négatif. But there is the existence of the positive I am. Mais l'existence du je suis positif. Just as the string passes through the gap between two pearls. Comme la corde passe dans le trou entre deux perles. The gap is to the pearls and not to the string. Le trou est entre les perles et non pas dans la corde. So, you are expected to exist as the string, but not the pearls. Donc, on attend de vous d'exister comme la corde et non pas comme les perles. If you exist with the lower principles, si vous existez avec les principes inférieurs, that is, body, soit le corps, life, la vie, and mind, et le mental, which we call matter, la matière, ether, l'éther, and mind, et le mental. The first three principles called the lower principles. Les trois premiers principes, les principes inférieurs. Every time we sleep, chaque fois que nous dormons, we cease to exist. Nous cessons d'exister. And again, we begin to exist after we wake up. Et de nouveau, nous commençons à exister lorsque nous nous éveillons. And we don't know what was our fate when sleep was there. Et nous ne savons pas quel était notre sort quand nous étions endormis. Same thing also with death. C'est la même chose avec la mort. We will live until the death of this body and the mind and life. Nous allons vivre jusqu'à la mort de ce corps physique et de ce mental et de la vie. And then we will be born again with a mind and a body and some life. Et puis nous renaîtrons avec ces trois éléments, le mental, la vie et le corps. But if you can know how to exist with the real I am, mais si vous savez comment exister avec le vrai je suis, you will exist during the period of the gap also. Vous existerez aussi pendant la période du trou. That is, when you enter into the higher principles, beginning with Buddhi. Quand vous entrez dans les principes supérieurs, commençant par le Bouddhi. And the Nirvanic. Nirvanic. Paranirvanic. Paranirvanic. And Mahaparanirvanic. If you exist with the higher principles, si vous existez avec les principes supérieurs, then you will exist irrespective of the body or not. Alors vous allez exister que le corps soit là ou pas. That is when death occurs. C'est-à-dire quand la mort arrive, you will not die. Vous ne mourrez pas. The mind and the senses and the body die. Le mental, les sens et le corps meurent. Whereas you will be witnessing it. Alors que vous en serez les témoins. Again, when the body and mind and senses take birth. Et de nouveau, quand le corps, les sens et le mental renaissent. You will not take birth because you are already there. Vous n'allez pas renaître parce que vous êtes déjà là. And you will be witnessing the whole thing.
et vous allez être témoin de toute la chose. Therefore, in that state, you have neither birth nor death. C'est pourquoi dans cet état, vous n'avez ni naissance ni mort. Though many bodies are coming and going to you. Bien que plusieurs corps vont et viennent vers vous. That is, you will be able to witness your whole evolution process. Donc vous serez capable d'être témoin de tout votre processus d'évolution. Without undergoing the gaps of death and sleep. Sans entrer dans les trous de la mort et du sommeil. Similarly, during sleep also, you are aware of yourself. De même que dans le sommeil, vous serez conscient de vous-même. So this is what is expected of you to practice. Donc c'est ce qu'on attend de vous comme pratique. Here, Lord Krishna is giving us the method of practicing it. Ici, Lord Krishna nous donne la méthode de le pratiquer. Previously, he has given us the method of yoga practice. Avant ça, il nous a donné la méthode de la pratique du yoga. That is, observing your movements of your respiration. C'est-à-dire observer les mouvements de votre respiration. And then meditating upon the two syllables in your respiration. Et de méditer sur les deux syllabes dans votre respiration. The two syllables are so and hum. So and hum. And meditating om in your respiration. Et de méditer om dans votre respiration. And uttering vocally om. Et de prononcer vocalement le mot om. And listening to your own voice. Et d'écouter votre propre voix. When you will enter into your own voice. Quand vous entrerez dans votre propre voix. And you will disappear. Alors vous disparaîtrez. That means the consciousness of the senses and the mind. C'est-à-dire que la conscience du mental et des sens will enter into the utterance of the voice. Entreront dans la prononciation ou l'expression de la voix. By listening to your own utterance. En écoutant votre propre prononciation. And this disappears. Et cela disparaîtra. And the real I am or the positive I am will be there. Et alors le vrai je suis sera là. That is, the continuous existence will be there. C'est-à-dire l'existence continue sera là. And the lower principles learn to disappear into you. Et les principes inférieurs apprendront à disparaître en vous. After some certain amount of practice. Après une certaine pratique. You will gain mastery over the process. Vous deviendrez maître de ce processus. That is, whenever you want, you will utter om vocally. C'est-à-dire que chaque fois que vous le voudrez, vous prononcerez om vocalement. And listen to your own voice. Et vous écouterez votre propre voix. And enter with your mind and senses into it. Et vous entrerez avec votre mental et vos sens dedans. And disappear. Et disparaîtrez. Whereas the real I am, the Lord, will exist. Alors que le vrai je suis, le Seigneur existera. This is what is called existing with the Lord. C'est ce qui veut dire exister avec le Seigneur. And when this practice is being done. Et quand on fait cette pratique. Simultaneously, you are expected to take the practice that is described here also. Il faut simultanément faire une autre pratique qui est décrite dans le même livre. That is, a few minutes before going to sleep. C'est-à-dire que quelques minutes avant de vous endormir. You are also expected to repeat the same thing. On attend de vous de répéter la même chose. And enter into sleep. Et d'entrer dans le sommeil. And disappear. Disparaître. When your mind and senses sleep. Quand votre mental et vos sens dorment. While you are in your awareness without sleeping. Alors que vous êtes conscient sans dormir. Because sleep is required only to the mind and senses, not to yourself. Parce que le sommeil est requis seulement pour votre mental et vos sens, mais pas pour vous-même. And by doing this practice. En faisant cette pratique. You will be able to leave the body during the time of death in the same way. Vous pourrez quitter le corps au moment de la mort de la même façon. Then, instead of dying, you will
leave the body. Au lieu de mourir, vous quitterez le corps. So there are two types of death. Donc il y a deux types de mort. One is leaving the body. L'une c'est quitter le corps. And the other is death. Et l'autre c'est la mort. The first process is possible only to a practitioner of yoga. Le premier processus est possible seulement pour quelqu'un qui pratique le yoga. Whereas the second type of death occurs to everyone who has not practiced yoga. Tandis que le second type de mort arrive à tous ceux qui ne pratiquent pas le yoga. The second aspect is unconsciousness. Le second aspect, c'est l'inconscience. That automatically occurs when death comes. Qui arrive automatiquement quand la mort arrive. Sometimes it comes much earlier. Parfois, ça vient bien plus tôt. There are cases where people are unconscious 1 hour before the physical death. Il y a des gens qui sont inconscients 1 heure avant la mort physique. And there are cases where they are unconscious for 1 day. Il y a des gens qui sont inconscients pendant un jour. And 1 week. Ou une semaine. 1 month. Pas un mois. In rare cases, there are people who are unconscious for 6 months or 7 months before they die. Dans des cas très rares, les gens sont inconscients pendant 6 ou 7 mois avant leur mort. That means death occurs to the mind and senses. C'est-à-dire que la mort arrive pour le mental et les sens. 6 months before death occurs to the body. 6 mois avant que la mort arrive pour le corps. That is an awful state of existence. C'est un état horrible d'existence. And there is no worse state to a living being than that. Et il n'y a pas d'état pire pour un être vivant. And medically speaking, médicalement parlant, there are two centers. Il y a deux centres. The heart and the lungs, one center. Les poumons et le corps, un centre. The brain is the second center. Et le cerveau étant l'autre centre. The two centers are working in us simultaneously. Ces deux centres travaillent en nous simultanément. And when the mind is in the brain cells, et quand le mental est dans les cellules du cerveau, it is living in objectivity, il vit dans l'objectivité. And working through the five senses. Et il travaille à travers les 5 sens. And this and this two activities will stop at the time of death. Ces deux activités vont s'arrêter au moment de la mort. Whereas only the second activity stops during sleep. Alors que seulement la seconde activité s'arrête pendant le sommeil. Whereas the first activity goes on. Alors que la première activité continue. That is the respiration and heartbeat. C'est-à-dire la respiration et les battements du cœur. And death occurs in either of the two ways. Et la mort arrive dans les deux cas. In some people, this stops first. Pour certaines personnes, le deuxième centre s'arrête le premier. The mental activity. C'est-à-dire l'activité mentale. And then, after some time, the heart and lungs stop. Et après un petit peu de temps, les poumons et le cœur s'arrêtent. This is an awful condition. C'est une horrible condition. Where the fellow lives in complete catalepsy for days or weeks or months. Quand la personne vit dans une catalepsie complète pendant des jours ou des mois. And another alternative is, l'autre alternative, the first center stops, c'est que le premier centre s'arrête first, d'abord. And there is no possibility of the second center living. Il n'y a plus possibilité pour que le second centre vive. Because the psychological center is depending upon the heart center. Parce que le centre psychologique dépend du centre du cœur. And it has no independent existence at all. Et il n'a aucune existence indépendante. So when the heart center stops, comme ça, quand le centre du cœur s'arrête, automatically the psychological center with all its psychological mechanism disappears. Automatiquement, le centre psychologique avec tous ses mécanismes psychologiques disparaît. Just as if you take the switch here, the light automatically stops there. C'est comme si on éteignait l'interrupteur, la lampe s'éteint automatiquement. So, for those whose life activity stops in the heart center,
Donc pour ceux dont l'activité de la vie s'arrête dans le cœur, le centre du cœur, immediately they leave this body. Ils quittent immédiatement ce corps. And there is no possibility of living in catalepsy. Il n'y a pas de possibilité de vivre en catalepsie. So they die a conscious death. C'est-à-dire qu'ils meurent, ils meurent une vie consciente. For example, une mort consciente. Those who die of heart failure. Par exemple, ceux qui meurent d'un, d'un arrêt du cœur. While working something. Tandis qu'ils travaillent. They will be active and suddenly they will die. Ils seront actifs et tout d'un coup ils vont mourir. So, these are the two types of death that a human being experiences. Donc ce sont les deux types de mort qu'un être humain peut expérimenter. And when the psychological mechanism is too much attached to the brain cells. Quand les mécanismes psychologiques sont trop attachés aux cellules du cerveau. Then death occurs first in the second center. Alors la mort arrive d'abord au second centre. As a catalepsy. Comme catalepsie. And then the fellow lives for some time. Et alors, le personnage vit pendant quelque temps. That is a horrible state. C'est un état horrible. But when there is no too much of attachment of the psychological mechanism to the brain cells. Mais quand il n'y a pas trop d'attachement des mécanismes psychologiques aux cellules du cerveau. Then automatically, it is the heart center that stops first. Alors automatiquement, c'est le centre du cœur qui s'arrête d'abord. And the fellow comes out of the body very easily. Et alors, la personne sort du corps très facilement. And the more we are attached to some idea, the more the psychological center is attached to the brain cells. Donc plus nous sommes attachés à une idée, plus les aspects psychologiques sont attachés aux cellules du cerveau. For example, the stronger our likes and dislikes to persons and things around us. Donc plus nos désirs et nos haines par rapport aux choses et aux gens qui nous entourent sont forts. And the stronger our fears and jealousies are to us. De même que nos frayeurs et nos jalousies. And the stronger our hopes and aspirations are towards what we do. Et de même que nos espoirs et nos aspirations pour ce que nous faisons. We are attached stronger to the psychological mechanism. Nous sommes alors attachés plus fort au mécanisme psychologique. And the danger is that we live in catalepsy before we die. Et le danger est alors qu'on vive en catalepsie avant qu'on meure. And the less attachments towards anything in this world we have. Et moins nous avons d'attachement pour quelque chose dans ce monde. The less is the possibility for catalepsy. Moins il y a de possibilités pour la catalepsie. Because when there are no attachments at all. Parce quand on n'a aucun attachement. It is the heart center that stops. C'est le centre du cœur qui s'arrête. And will come out within a few seconds from the body. Et nous sortirons du corps en quelques secondes. Even though there is no heart attack. Même s'il n'y a pas d'arrêt du cœur. So, no heart attack is required for a yogi. Donc, un arrêt du corps n'est pas nécessairement requis pour un yogi. To come out of the body. Pour sortir de son corps. Because his coming out of the body is a conscious process. Parce que la sortir de son corps est un processus conscient. And he has no possibility of living in catalepsy before dying. Et il n'a pas de possibilité de vivre en catalepsie avant de mourir. Because even while sleep, he is aware. Parce que même en dormant, il est conscient. Now, these two types of death. Maintenant, ces deux types de mort. Are called coming out of the body. Sont appelés la sortir du corps. And death. Et mort. The process in a yogi should not be called death. Le processus chez un yogi ne doit pas être appelé mort. Because he is aware of his coming out of the body. Parce qu'il est conscient de sortir de son corps. It is a process which he is knowing. C'est un processus qu'il connaît. Even after coming out of the body, he is there. Même étant sorti du corps, il est là. Observing the whole process.
observant tout le processus. So he is not dead. Ainsi, il n'est pas mort. And it is not death. Et ce n'est pas la mort. Whereas this fellow dies long before he comes out of the body. Tandis que l'autre personne meurt bien avant de sortir de son corps. Into unconsciousness or catalepsy. Dans un état d'inconscience ou de catalepsie. Therefore, it is called death. C'est pour ça qu'on l'appelle mort. In the books of yoga and in the scriptures. Dans les livres de yoga ou les écritures. Only this aspect is called death. On appelle seulement cet aspect-là la mort. That is stoppage of the brain center. C'est-à-dire l'arrêt du centre du cerveau. And the continuation of the heart center. Et la continuation du centre du cœur. Whereas when the yogi comes out of the body. Tandis que quand le yogi sort de son corps, it can never be called death. On ne peut jamais appeler cela la mort. He comes out of the body, still he lives. Il sort de son corps, mais il vit encore. And he receives a body, and still he is not born. Et il reçoit un corps, mais on ne peut pas dire qu'il soit né. So birth and death do not exist to him as incidents. Donc la naissance et la mort n'existent pas pour lui comme incidents. That's why it is said he is beyond the cycles of birth and death. C'est pour ça qu'on dit qu'il est au-delà du cycle de la mort et de la naissance. That is what Buddha called nirvana. C'est ce que Bouddha appelle le nirvana. And what the masters call liberation. Et ce que les maîtres appellent la libération. And Krishna says to attain this state. Et Krishna nous dit que pour atteindre cet état, you have to practice going into sleep. Vous devez pratiquer l'entrée dans votre sommeil. While having the awareness of the Lord. Alors que vous avez la conscience du Seigneur. Instead of sleeping while thinking of nonsensical things. Au lieu de vous endormir en pensant à des choses insensées. You are expected to think of the omnipresence of the Lord. On attend de vous de penser à l'omniprésence du Seigneur. Utter Om. En prononçant le mot Om. Listen to it. En l'écoutant. And go into sleep while listening to it. Et vous endormir tandis que vous l'écoutez. This is how you have to practice this. C'est ainsi que vous devez le pratiquer. So he says, remember me while going into sleep. Donc il dit, rappelez-vous de moi quand vous vous endormez. Me means not a person called Krishna. Moi ne veut pas dire une personne qui s'appelle Krishna. But the me in you. Mais le moi en vous. That is the I am in you. C'est-à-dire le I am en vous. And then you exist before and beyond sleep. Alors vous existez avant et au-delà du sommeil. The beginning of the new state of transformation. Le début du nouvel état de transformation. Is in tune with the ending of the previous state. Est en harmonie avec la fin de l'état précédent. That means with whatever state of mind you go into sleep. C'est-à-dire quoi que soit votre état de conscience quand vous vous endormez. With the same state of mind you will wake up next morning. Vous allez vous réveiller avec le même état d'esprit le lendemain matin. Suppose you have half finished reading a book and went into sleep. Disons que vous avez à moitié terminé de lire un livre et que vous êtes endormi. Next morning, automatically, when you wake up, you will read the book, continue the reading of the book from that page. Le lendemain matin, vous allez continuer la lecture du livre à partir de cette page-là. Suppose you have half finished doing your accounts of that day and slept. Disons que vous avez fini la moitié de vos comptes de ce jour-là et que vous vous êtes endormi. Next morning, you will wake up and finish the remaining accounts. Le lendemain matin, vous allez vous réveiller et finir l'autre moitié des comptes. Suppose you are doing some work in the house. Supposez que vous faites des travaux dans la maison. And slept after doing it half. Et que vous endormez après l'avoir à moitié terminé. And after waking up the next day, you will finish the other half. En vous réveillant, vous allez terminer l'autre moitié. In the same way, the mind is continuous of its previous state after sleep. Donc, dans la même mesure, le mental continue dans le même état avant qu'il s'endorme, so, quand il se réveille. If you remember some nonsensical thing before going sleep, c'est-à-dire si vous vous souvenez de choses qui sont insensées avant de vous endormir, while you by the time you wake up, the mind will be nonsense.
C'est-à-dire qu'au moment où vous réveillerez, votre mental sera aussi insensé. And if you go to sleep with a great fear, si vous endormez avec une grande peur, for example, fear of a debtor, par exemple, la peur d'un débiteur. Yes, that is, suppose you promised somebody that you will repay the money tomorrow. Supposez que vous avez promis à quelqu'un que vous allez lui rembourser son argent. You will remember that he will be coming tomorrow morning. Vous allez vous rappeler qu'il va revenir le lendemain matin. Yes, if you remember that while going to sleep. Si vous vous souvenez de ça quand vous vous endormez. And with the same fear you will wake up. Alors vous allez vous réveiller avec la même peur. And sometimes the sleep is also disturbed with the dreams of the fellow coming to you and visiting you. Et parfois même le sommeil est dérangé par les rêves que vous faites de cette personne en rêvant qu'il vient chez vous. But if you meditate upon the Lord and sleep. Mais si vous méditez sur le Seigneur et vous vous endormez. You will be aware of yourself as the Lord. Vous allez être conscient de vous-même comme le Seigneur. And the sleep will be perfect to the mind and senses. Et le sommeil sera parfait pour le mental et les sens. Whereas you exist beyond sleep. Alors que vous existez au-delà du sommeil. So he says, if you remember me during transformation. Donc il nous dit, si vous vous souvenez de moi pendant les transformations. Both states are one. Les deux états deviennent un. Because I am continuous in you. Parce que je suis continu en vous. The wakeful state and the sleep state, both are one. L'état d'éveil et l'état de sommeil sont tous les deux un. Like the string in the necklace of pearls. Comme la corde dans le collier de perles. I am continuous in you. Je suis continu en vous. Remember me at the time of the death of mind. Rappelez-vous de moi au moment où votre mental meurt. That is, what is death of mind? Quelle est la mort du mental? Death of mind may be your sleep. Ça peut être votre sommeil or your meditation. Ou votre méditation. To an ordinary fellow, it is only sleep. Pour un homme ordinaire, c'est seulement le sommeil. But to a yoga practitioner, it is meditation also. Mais pour quelqu'un qui pratique le yoga, c'est aussi la méditation. So you remember me during the time of the death of mind. Donc rappelez-vous de moi pendant le moment où votre mental meurt. And you are beyond mind. Alors vous serez au-delà du mental. Remember me at the time of the death of your body. Rappelez-vous de moi au moment de la mort de votre corps. You are beyond death. Vous êtes au-delà de la mort. Leave this body in my recollection. Rappelez-vous de moi quand vous quittez ce corps. There is no death to you. Il n'y a pas de mort pour vous. You come to me and you live in me. Vous venez à moi et vous vivez en moi. That is how we are expected to prepare for the last moments of this body. C'est ainsi qu'on doit se préparer pour les derniers moments de ce corps. Then we will live in the one who has no birth and no death. Alors nous vivrons dans le un qui n'a ni mort ni naissance. And whatever you recollect at the time of death. Tout ce que vous vous rappelez au moment de la mort. You will be born only into that recollection. Vous allez renaître avec ces souvenirs là. Suppose a fellow wants to eat bread and butter. Supposez que quelqu'un veuille manger du pain et du beurre. A few hours before he dies. Quelques heures avant qu'il meure. The doctor says it is very dangerous. Let him not eat anything. Le docteur dit c'est très dangereux. Il ne faut pas qu'il mange rien du tout. Let him take only a little hot water. Laissons-le seulement prendre un peu d'eau chaude. Then the fellow is given only hot water. Alors on donnera au personnage seulement un peu d'eau. And he asks and asks, I want a little bread and butter. Et il redemandera, je voudrais un peu de pain et de beurre. And then he dies. Et alors il meurt. Thinking of bread and butter. En pensant au pain et au beurre. In the next birth. Dans la naissance suivante. Even when he is a child. Même quand il est encore un enfant, he runs and jumps when he sees bread and butter. Il court et saute quand il voit du pain et du beurre. He will feel more interested in bread and butter than the other children. Il sera plus intéressé dans le pain et le beurre que les autres enfants. Such a continuity exists with him. Une telle continuité existe en lui. It is said that a little fellow was
doing like this when he was a child. On disait qu'un petit enfant faisait ce geste quand il était un enfant. And a mystic went into meditation and observed that he was a pickpocket. Un mystique médita sur lui et observa que c'était un pickpocket. Like that, continuity exists with us in all our behavior. Ainsi, la continuité existe en nous dans toute notre attitude. You will understand that each of us like some things than others. Vous comprendrez que chacun de nous aime, préfère des choses par rapport à d'autres. You may like reading. Vous aimez la lecture. And she may like lecturing. Elle aimera faire des conférences. I may like sleeping. Moi, je peux aimer dormir. And another may like eating more. Et un autre aimera beaucoup manger. So there is an emphasized interest in something. Donc il y a toujours un intérêt plus aigu pour certaines choses. And the reason for this is our previous birth. Et la raison pour cela, c'est notre naissance passée. If there are two children to the same parents, s'il y a deux enfants pour les mêmes parents, brought up in the same environment, élevés dans le même environnement, and educated in the same school, et éduqués dans la même école, one fellow develops interest in business. L'un sera intéressé par les affaires. Another fellow develops interest in spiritualism. Un autre par le spiritualisme. Why? Pourquoi? Because in the previous birth, each was having his own way of doing things. Parce que dans la naissance précédente, chacun avait sa propre manière de faire les choses. And it continues in this life as his interest. Et ça continue dans cette vie-ci comme ses intérêts. That's why here Krishna says. C'est pourquoi Krishna nous dit. Whatever you recollect at the time of your death, you will be born only into that recollection. Donc tout ce que vous vous rappelez quand vous vous endormez, quand vous mourrez, vous, vous renaîtrez avec ces souvenirs. You are born with the same thoughts and associations. Vous êtes né avec les mêmes pensées et associations. Which you bear at the time of death. Que vous portiez au moment de la mort. You will be born into the same nature. Vous naîtrez dans la même nature. Nature also will be like that. La nature aussi sera comme ça. For example, one fellow dies with a thought of great revenge against his enemy. Par exemple, quelqu'un meurt avec une pensée de revanche contre un de ses ennemis. Then in the next birth he is born as a devil having much vengeance in his temperament. Et la naissance suivante, il naîtra comme un démon en ayant le sens de la vengeance dans son tempérament. From his childhood, he begins to take revenge against other boys. Depuis son enfance, il prendra des revanches sur les autres enfants. Others are afraid of allowing their children to play with this boy. Les autres ont peur de laisser leur enfant jouer avec cet enfant. Because he is always having vengeance and revengeful. Parce qu'il a toujours un esprit de vengeance. He begins to injure other children. Il commence à les injurier. He comes as a problem child to others. À les blesser et il devient un enfant à problème pour les autres. All these are due to the continuity of the state in which they were before they died. Donc tout ça est dû à la continuité de l'état dans lequel ils étaient avant de mourir. So he says, if you die with my recollection, you are saved. C'est pourquoi il dit, si vous mourrez avec mon souvenir, vous êtes sauvés. That is, if we leave the body with the presence of the all-present Lord, omnipresent Lord. Donc si vous quittez ce corps avec la conscience du Seigneur omniprésent, then we do not carry any of the recollections of the previous birth. Alors nous n'apportons pas avec nous aucun des souvenirs des naissances précédentes. It will be a fresh beginning. Ça va être un nouveau départ. At all times recollect me and fight on. À tout moment rappelez-vous de moi et combattez. If you have a fight in life, si vous avez un combat dans la vie, you can fight but you have no business to hate. Vous pouvez combattre, mais vous n'avez pas de raison de haïr. Just like the fight in a war. Comme le combat dans une guerre. After the war is finished. Quand la guerre est terminée. Suppose two fighters, one of the opposite side and one of the our side. Supposez que deux guerriers de chaque camp opposé.
Suppose they meet in the street after the war. Supposez qu'ils se rencontrent dans la rue après la guerre. Suppose before they joined in the military service, they were friends in childhood. Alors qu'ils étaient des amis avant de rentrer dans l'armée. Then what happens? Alors qu'arrive-t-il? Do they fight again in the street? Est-ce qu'ils continuent à combattre dans la rue? They join their hands and they go to a restaurant and sit down there calmly. Ils se serrent la main et puis vont manger ensemble au restaurant. And they say, this war is something of a beastly nature. Ils se disent, cette guerre est quelque chose d'un instinct bestial. We were foolish in taking part in this war. Nous étions fous d'y prendre part. And let us forget about it. Et oublions-la. Next time, let us be careful to see that there is no war in our country. Et la prochaine fois, soyons prudents pour qu'il n'y ait pas de guerre dans notre pays. That is how they talk after the war. C'est comme ça qu'ils parlent après la guerre. Like this, when there is a fight, you can fight. Ainsi, quand il y a un combat, vous pouvez combattre. But fighting is different from bearing malice. Mais combattre est différent d'avoir